Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi, pendant la Ligue Osiris, c'est jour de pronostic. On va tenter de continuer de se blindax comme la semaine dernière. Très propre, le x2 de la semaine dernière. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. N'hésitez pas à vous y retrouver, tous les pronos, toutes les sections, tous les guides, tout ce que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore, sont sur le Discord. Les amis, donc, Ligue saison 7, on est bien parti pour fumer ce store. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour ces quarts de finale. On va avoir pas mal de très très gros matchs et il va falloir bien parier, notamment les Mimi, les JST, les Mimi face aux JST, ça sera intéressant. Mais on va voir ça tout de suite. Donc allons sur la page des mises en ligue et normalement, si tout se passe bien, vous avez au moins, au minimum 15 000 auric. J'en ai 15 667, même un petit peu plus une fois que j'aurais fait le premier pari. Je dis au minimum puisque les paris de la semaine dernière se sont très bien passés. On a du rouge, mais les très grosses sommes sont en verte, sauf une, sinon toutes les autres sont en verte. Donc on s'est mis bien. Pour œil, pour le talent, vous devriez avoir encore deux jetons. Évidemment, on continue de placer les deux jetons sur les 60 GT avec les WIB qui peuvent avoir une petite cote intéressante puisqu'ils ont battu les 60 MX. Donc normalement, on est à 136 jetons sur les 60 GT, 136 jetons. Ça nous permettra, si ça marche, si ça proc, on aura 75 jetons ici de sculpture de commandant légendaire. Du coup, il nous restera, allez, rapide calcul, 61 jetons. On pourra acheter le coffre d'équipement. Il nous restera 21 jetons. Avec ces 21 jetons, on peut acheter des clés en or, des équipements d'un niveau inférieur. Bref, on va bien voir. Il reste encore un tour de toute façon. On devrait pouvoir pas mal vider ce store également si les 60 GT viennent à gagner le domaine d'Anubis. Allons sur les mises et les premiers pronostics. Alors, c'est plus simple. Il n'y a que 4 matchs. Forcément, quart de finale dit 4 matchs. Hein. C'est assez simple. Donc, on a le premier match, les 17-18. Face aux 1V, les 1V sont tout de même ultra favoris. Les 93L ont perdu face aux 1V, mais ce n'est pas la plus grosse alliance, si je ne dis pas de bêtises. C'est les 93T, la plus grosse hein, du 10-93, énormissime stratège. Le 10-93 également, que ce soit en KVK ou en Ligue Osiris. Là, franchement, je pense très clairement que les 1V vont gagner. On a une contre-cote de x20. Les 17-18 sont très très bons. Hein. Il n'y a pas à dire. Ils sont très forts, mais c'est quand même les 1V qui risquent de gagner. Mais il pourrait être intéressant de faire un petit coup. Alors, je mets une petite piécette sur le 17-18 au cas où. On ne sait jamais. Et je vais récupérer tout de suite hein, la mise en ligne. D'ailleurs, je n'ai pas récolté ni entraîné 2000 unités encore aujourd'hui. Ce sera la possibilité de renforcer un pari samedi. Les JST face au 1188. Bon, là, les JST hein, sont les favoris. Le 1188 ne sont pas mauvais du tout. Hein, mais l'écart de puissance, même s'il est en faveur des 1188, les 1188 n'ont pas fait une démonstration de ouf. Et regardez, hein, les JST ont même battu les 93T. Très, très chaud. Les JST et le 1188 a battu les 93L. Si on en revient ici, hein, l'écart de puissance entre les deux teams était en faveur des 1V. Mais on peut décider de tenter un coup hein, et le mettre sur le 1188. Encore une fois, hein, je pense que... Mettre une toute petite somme. Hein, je pense que les JST vont gagner. Pareil, je pense que les 1V vont gagner. Mais ce serait dommage de ne pas mettre une petite somme. Imaginez, vous mettez 100 sur le 17-18, ça fait un x25, même plus que ça, hein, plus de x30. Vous récupérez 3000 auric, vous êtes bien si vous avez mis 1000. La partie, elle est finie, mais 1000, c'est quand même un gros risque. On verra bien. Mimi face à 84 OF. Là, c'est tout de même intéressant. Mimi 84 OF. Les 84 OF sont en super forme. Il n'y a pas à dire. Hein. Ils enchaînent bien les matchs. Hein.
De l'autre côté, les Mimi aussi ont battu les WSA, les LX, les A615, ils sont bien chauds, ils ont une puissance à plus de 6 milliards, 6 milliards 2, je crois que c'est la plus grosse team en termes de puissance. Bon, là, en revanche, je ne parierais pas sur les 84 OF. Il y a quand même x2, on peut tenter une petite pièce. De toute façon, parier sur les Mimi, ça serait incohérent. On va mettre une petite piécette là-dessus aussi. Et on finit 93T, 93P. Bon, là, c'est un combat 10-93. Les 93P sont très bons. Les 93T sont énormes. Les deux sont à peu près équivalents. Ils se connaissent bien. Mais les 93T ont tendance à gagner lors de leur duel. On continue avec le domaine d'Anubis, SV68 face au 1EE8. Alors là, c'est un match et une cote intéressante. Elle est équilibrée, la cote, hein, mais les 1EE8 sont tout de même très très bons. Ils ont battu les GV77, les 1EE8, hein, donc ils ne plaisantent pas du tout. Les GV77 étaient une team, j'arrive pas à cliquer dessus, étaient une team énormissime, je vous le rappelle, hein, très très grosse puissance, c'est pas joué de beaucoup, mais c'était quand même un très gros match. Les SV68 ont sorti les chats, qui étaient pas mauvais du tout, hein, sans être oufissime, ils étaient pas mauvais d'ailleurs. On avait tenté de les faire, de parier sur eux pour voir s'ils étaient capables de gagner, ça ne l'a pas fait. Du coup, là, il y a peut-être un coup à faire, hein, en pariant sur les 1EE8. Ah, j'ai du mal à lire parce que ça atteint le lit, je crois. Bref, en tout cas, je mets un petit 10 pour dire que là, il y a un vrai x2 à faire. Ah ouais, la cote étant équilibrée, on fera un x2. AO77 face à CN21. Là aussi, il y a une contre-cote de x2 intéressante. Donc, on ferait x3. On récupère notre mise plus le double. Puisqu'il y a une double contre-cote, hein, c'est comme ça que se calculent les cotes. AO77 sont en très grande forme, les CN21 sont pas oufissimes, hein, donc je pense que les AO77 ont possibilité de gagner. Après, on peut pas parier partout, hein, mais je vais quand même mettre 5 ici pour indiquer qu'il y a un petit truc à faire. 60 GTK 244, on va pas plaisanter là-dessus. Sin face au Weeb. Alors là, c'est très intéressant. Hein. Les Sin 7, et pas les Sin qui sont sur le 1846, évidemment, sont très chauds. Très, très, très chauds. Mais les Weeb, sont plus que chauds. Hein. Les Weeb, ils sont déterminés comme sur leur KVK. Il y a peut-être un petit coup à faire, mais je crois que les Weeb vont évidemment gagner. Voilà pour les paris sur le domaine d'Anubis. On passe à présent au domaine de Bastet. F84DFCK. Alors là, c'est un match intéressant, mais les FCK devraient largement gagner sans surprise. 88 VH, 89 CG. Les 89 CG devraient pulvériser normalement les 88 VH. 89 VC, 89 N, pareil. 89 est très très fort. Les VC, il n'y a pas de doute. Et pour finir, SWD, 91 R. Alors là les amis, il y a peut-être quelque chose. Yoda est une méga baleine. C'est presque 6 milliards le roadster. DSW face à un roadster qui est à plus de 4 milliards, tout juste au-dessus des 4 milliards. Les D91R sont chauds, mais pour autant, je prendrai pas le risque parce que je pense que c'est inutile. Les SW devraient gagner, ils sont très bons, hein, très bons stratèges. On passe à présent au domaine de Sobek. Je vous le rappelle, hein, on va reparier par la suite et renforcer les différents paris. Les W34 face au R46D. On a une cote de ouf pour les W34 que je n'explique pas. Ils ont quasiment pas eu de match. Les R46D ont vraiment moyen de gagner avec cette contre-cote. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on met une petite pièce. DN4, 65 AC, contre-cote en x2, les 65 AC sont très chauds, les DNT4 aussi. En termes de puissance, c'est équivalent. Encore une fois, il y a peut-être un truc à faire ici. Je vais mettre 5 pour dire que c'est à renforcer. 29, 49, 75 DC, là il n'y a que des paris de ouf de toute façon. Hein. 4,5 en contre-cote, les 29 DC sont, les 29, 49, pardon, sont, je fais une fusion des deux, hein, sont très 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 chaud. Les 75 DC, eux, ont quasiment pas eu de match. Hein. On va remettre 5 ici aussi. Hein.
69F06A. Les 06A affichent un bon palmarès. Hein. Ils ont sorti du monde. Les 69F sont pas mauvais aussi, mais ils n'ont pas eu vraiment de très gros matchs. Hein. On le voit, c'est équivalent. Ils se sont déjà rencontrés. Je vous dis, ils se sont déjà rencontrés. Et c'est les 69F qui ont gagné. Mais regardez, hein, ils ont gagné de justesse. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Mais, encore une fois, il y a un risque. Il existe un bon risque qu'ils perdent de nouveau. Voilà, on a fait le tour. Beaucoup moins de matchs. Hein, et maintenant, on va pouvoir se pencher sur ce qu'on renforce. 17-18 1V. C'est un pari. C'est un coup à faire. Je vais mettre 200. Si ça proc, on est extrêmement bien. On sera même très très bien. Pareil, le 11-88, je vais mettre 200. Donc je renforce 299. Je reviendrai peut-être dessus. Mimi, 84 OF. La cote, elle est pas ouf. On va mettre 99 de plus. Je mets 100. Si ça proc, c'est toujours un petit peu de prix. Mais attention, hein. Ces paris-là, c'est à coq que les 84 OF peuvent faire quelque chose. On va pas faire les radins, on va mettre 500. Les Mimi sont pas du tout oufissimes. Les 84 OF peuvent tout à fait gagner. Et 93P, 93T, on ne parie pas, on ne renforce pas. On va sûrement revenir après, encore une fois, là-dessus. Sur les 1EE8, lit libre, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se prononce. Là, franchement, il y a des points à prendre. Hein. On pourrait faire un petit x2, on serait bien. Je pense qu'ils peuvent gagner. Du coup, j'avais mis 10. Je vais mettre 1990. Si on fait un x2, on sera bien. Ensuite, A77. Quand il y a des coups à faire, hein, il ne faut pas hésiter à tenter. A77, ils peuvent vraiment gagner. Ici aussi, je vais mettre 1000. Si ça proc, c'est pas mal. Ça fait un x2. Sin Weeb, franchement, là, c'est juste pour faire genre, même si je pense que les Sin devraient perdre. Allez, on peut peut-être même mettre un petit peu plus au cas où. On peut mettre 500 également. Les Weeb devraient gagner sans surprise. On ne renforce pas, enfin, on ne parie pas contre les 60 GT. Sur le domaine de Bastet, on ne parie sur rien. Tout me paraît vraiment plié. Sur le dernier, vous voyez, hein, ça ne descend pas beaucoup les Auric, parce que là, il y a quand même des gros, gros risques à prendre. Franchement, les R46D, on va mettre 300 dessus au cas où, si ça proc, on sera très bien. Ce tour-là, ces quarts de finale-là sont très, très tendus, les amis. 65 AC, franchement, les 65 AC hein, peuvent gagner. On va tenter de se mettre bien. On va mettre 1995 là-dessus, c'est très risqué. 29-49, 75 DC. C'est tout aussi risqué. On va mettre donc 1000 dessus au cas où si on perd, on sera pas trop déçu. Et pour finir sur les 06A, on va mettre 1000 aussi. Ça devrait le faire. Il nous reste encore 7000. Là, il faudrait quand même jouer un petit peu l'assurance. Il faudrait que ça se passe plutôt bien. On se remet sur le domaine d'Horus. Franchement, et là, j'ai envie de prendre des risques, hein, mais c'est quand même chaud si on perd. Si on perd, c'est vraiment la lose. Hein. Les 84 OF, pour moi, peuvent vraiment faire quelque chose. On va monter 2000, 1500. Face au JST, c'est quand même chaud. Le 11-88, ils sont bons, mais c'est chaud. Le 17-18 aussi, mais ça créerait la surprise de ouf. On va monter à 400 sur les deux-là. Si ça proc, magnifique. Hein. Si on arrive à proc dessus, on proc que sur un seul et on est refait. Ici, on va renforcer encore 2000. Franchement, j'essaye d'équilibrer. Hein. Mais c'est très, très, très chaud. Les A77, je crois en eux. Hein. Donc, on va renforcer. C'est peut-être celui sur lequel je crois le plus. Il nous reste 3600. Les signes, non. Je ne vais pas prendre davantage de risques. Et on passe au dernier, au domaine de Sobek. Il y a peut-être des beaucoup à prendre hein, ici, mais c'est déjà très risqué hein, ce qu'on fait comme pari. Allez, écoutez, on va monter à 500 ici. Il reste 2000, c'est très très chaud. Hein. Franchement, c'est extrêmement chaud les paris. Là, moi-même, je me dis que je prends des risques de ouf. Je pense que je vais aller renforcer à la fin Anubis. Je vais aller renforcer Anubis.
J'ai envie de me mettre bien sur les 1-8 parce que ils peuvent vraiment, vraiment gagner. Et 1x2, ça ferait plaisir. C'est un vrai risque là que je prends, les amis, je vous le dis. Hein. C'est très risqué, mais c'est un scénario tout à fait possible. Allez, je finis, je prends le risque sur eux. S'ils gagnent, on sera très, très, très bien. On a un équilibre quasi en puissance. On a eu des matchs de ouf. Franchement, ils ont sorti les GV77. Je crois en eux. Voilà pour les paris cette semaine, les amis. J'espère que vous les suivrez. Faites-vous bien, bien plaisir si on proc. Si ça proc un minimum, on plie le store et c'est fini pour ce tour-là. Sinon, il va falloir se refaire en demi-finale et ça va être très, très, très chaud, les amis. Juste avant de finir cette vidéo, on va profiter des events en cours, notamment de la course contre le temps sur mon serveur. J'aimerais bien savoir, si vous n'êtes pas en KVK, évidemment, quels sont les scores sur votre serveur. Actuellement, je suis en tête avec 206 410. Dites-moi à combien ça monte sur votre serveur. On peut faire beaucoup plus. Hein. C'est un run tout seul que j'ai fait. J'étais seul donc et pas en KVK. Donc limité sur des barbares de niveau 25, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner les scores sur votre serveur. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo pronostic. J'espère qu'on va se blindax comme la semaine dernière. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.